Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ma cousine Elodie. Coucou. Pour vous faire le First Sentence Challenge. Alors, j'espère que j'ai réussi à le dire. Ça fait très longtemps qu'on veut vous le filmer. On l'a déjà filmé plusieurs fois. Sauf qu'à chaque fois, la vidéo, elle n'est jamais sortie. Voilà, un petit peu, vous pouvez lui demander. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on le filme. Ça fait trois fois. Sauf qu'aujourd'hui, je suis motivée pour le faire. Et on va le faire sans plus tarder. Donc, on va accrocher un foulard. Alors, petit détail, donc j'ai les yeux bandés, ce que j'ai oublié de vous le dire avant. Si vous entendez un bruit de fond, c'est le ventilo parce qu'il fait une chaleur à mourir. Et deuxièmement, donc je vous explique quand même le principe. C'est-à-dire qu'elle va me lire la première phrase d'un livre et je vais devoir trouver à quel livre elle appartient en enlevant les noms de personnages et les noms de villes. Si je trouve pas, j'ai le droit à une deuxième phrase, puis à une troisième. Et si j'ai pas trouvé au bout de la troisième, elle me relit en rajoutant les noms de personnages et de villes. Et s'il y en avait pas, et bah tant pis, c'est perdu. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, et puis maintenant, c'est parti pour le challenge. Alors, en premier, je vais faire celui-là. Une vague de souvenirs me submerge quand je regarde sidéré le visage familier de cet inconnu. Oh mince. Alors, attendez, une vague de souvenirs me submerge. Ah, ça me dit trop quelque chose. Vas-y, lis la deuxième, enfin, relis la première. Une vague de souvenirs me submerge quand je regarde sidéré le visage familier de cet inconnu. Je vois combien de chances? 3? Ouais. J'ai envie de dire que c'est un gamin qui s'était perdu, mais je suis pas sûre. Non. Ouais, j'en ai trop dit. Alors, la deuxième phrase. Attends. Wow, elle est longue la deuxième phrase, c'est un paragraphe. Bon, t'es prêt. Petit, quand je brossais les cheveux blonds de ma poupée Barbie, je souhaitais souvent devenir comme elle, si belle, toujours tirée à quatre épingles, fidèle à ce qu'elle. À ce qu'on attendait d'elle. Ses parents doivent être fiers, me disais-je. Son père, ou qui fut, était probablement un important PDG qui sillonnait le monde pour survenir aux besoins de sa famille, et sa mère, une femme au foyer dévouée. Ah, ça me dit trop quelque chose. Déjà, la meuf, elle a plus son père. Il s'est bon, je sais pas si c'est pas lui. Non, mais je crois, parce que d'après la phrase, ça me dit tellement quelque chose. C'est embêtant quand elle sait pas. Il va falloir se remettre à la lecture, ma vieille langue. En fait, mes poches, ça fait tellement longtemps que je les ai pas touchées. J'ai le droit de te poser des questions ou pas pour essayer de deviner, ou j'ai que les phrases? Je connais pas l'histoire. Non, mais genre par rapport à la couverture ou sur le truc. Tu verras en fonction si tu réponds ou pas. Déjà, est-ce que c'est une suite de saga? Ou est-ce que c'est un tome 1? C'est une suite. Voilà, c'est ce que je me disais déjà. Le visage. Enfin, la poupée Barbie, je te jure, quand tu m'as parlé de la poupée Barbie, ça m'a tellement dit un truc. Une poupée Barbie, d'accord. Moi, tu m'aurais parlé d'une poupée Barbie dans un livre, je t'aurais dit Barbie. Mais c'est dans mes poches, genre il faut. Est-ce que c'est un after? Oui. Ah, ben non, je le savais. Alors, lequel? C'est pas le 1 ni le 2, du coup, c'est sûr. Alors, je regardais le visage sidéré. Alors, par contre, alors, je crois que c'est pas le 5. J'en suis quasi sûre. Je vais dire le 3. Oui. Ah, trop contente. Tu vois, ça me disait trop quelque chose en fait. Bon, ok. Du coup, j'ai 3 à la deuxième et 2 à la dernière. Bah, du coup, j'ai 3. 3. J'avais eu plus que mon compte d'expérience mortifière, phénomène auquel on ne s'habitue pas. Twilight 4. Twilight, sûr déjà, non? Oui. 4. C'est quoi? Révélation. Je l'ai lu il y a 2 semaines. Ah oui, c'est pour ça. Donc celui-là, je le connais. Du coup, celui-là, j'ai 4 points. Normalement, là, ça devrait être un peu plus dur. Ah ouais, ouais? Aïe, aïe, aïe. Parce que ça va faire très, très longtemps que tu l'as pas lu normalement. Oh bah non, tout va bien être trouvé. À mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. Hunger Game. Voilà. Celui-là, je le connais. Hein. Cool, encore 4 points. Je ferai le compte sur l'écran, hein, ce sera plus simple parce que nous, on va s'y perdre. Hein. Celui-là était facile, hein, de Hunger Game. Là, celui-là, tu devrais le trouver assez vite. Tu la remontres avant? T'avais oublié aux autres, non? Oui, j'ai oublié. Le manteau de était absolument unique en son genre. C'est alors, c'est un Shade of Magic, je crois. C'est ça, c'est Shade of quelque chose. Mm. Mais du coup, le 1 ou le 2, alors le 1, je sais plus comment il compte. Si, je pense que c'est le 1.
Shade of Magic. Ouais. Et ouais, pas de bol, hein. C'était le manteau de Kale. Ouais. Le livre a fait la taille de ma tête. À ce point, je trouve que c'est un grand. Oui. Déjà. Oui. Oh, pourquoi j'ai choisi ce livre ? Première ligne n'a plus 10 mètres. Prologue ou chapitre ? Chapitre. Les deux hommes suggéraient de nulle part, à quelques mètres l'un de l'autre, sur le chemin étroit éclairé par la lune. Ah non, c'est bon, j'avais vu la lune en deux. T'es nulle, Marie. Non, en fait, je pense que c'est Harry Potter. Non ? Mmh. Mais je réfléchis à quel tome. Mmh. C'est Harry Potter, déjà, on est d'accord ? Oui. Ouais, bon. Pour moi, c'est le... Il n'y a pas de en chapitre. En fait, vu le bruit que ça a fait et vu la taille qu'il était grand, je sais que c'est forcément du 4 au 7. Parce que j'ai pas les autres en grand format. Oui, de toute façon, il est chez moi. Pour moi, c'est le 7. Oui. Et c'est dans le seul où ça commence pas, enfin, l'un des seuls où ça commence pas à Private Drive. Je suis là. J'aime trop ce jeu. Ouais, bah, moi, c'est en train de m'énerver parce que tu trouves. Ah bah ouais, c'est vite, hein. Chapitre. Ok. D'accord, ça va aller vite. La Terre a tremblé. Voilà. Nil. Et lequel? Le 1. C'est quoi le titre? Bah c'est le 2, parce que le 1 il a pas de titre. Donc c'est Nil, le 2. Alors le 2 c'est la colère de Nil? Ou c'est le 3, ça je sais plus. Si, la colère de Nil? Non. Non, c'est le 3 du coup. C'est oh, les secrets de Nil. Le secret de Nil, un truc comme ça. Oui. Ouais, donc c'est le 2. Tu vois, j'aurais dit le 1. Si tu m'avais pas demandé le titre, je t'aurais dit. Par exemple, j'ai 3 chances, donc j'aurais forcément trouvé. Mais... Je ferai le compte des points au montage. Oh, pardon. Non, c'est bon, pardon. Voilà. Alors. C'est quoi ça? Ouais, pour moi, c'est le prologue parce que après, c'est le chapitre. Ouais, on va dire le prologue. Ok. Nous sommes tenus par la loi de conserver une trace écrite des innocents que nous tuons. La faucheuse. Mmh. T'es sûr. Voilà. Oui, il est trop beau comme lui, je trouve. Ah, indice. Un livre beau. On est plein. Ça aide, hein. T'as vu? Bah, on va dire prologue. Ouais. Ouais. Où court tout ce peuple? Merci. Merci bien. C'est une question, ma chère. Où court tout ce peuple? Déjà, on est d'accord que t'as pas pris deux livres d'une même saga. De normalement, non. Ok. Mais de toute façon, ils sont côte à côte, alors... Non. Ok. Où court tout ce peuple? Alors, quel livre parle de peuple, déjà? Tout. Tout est libre. En vrai, genre, quand tu dis ce genre de truc... Tu m'as dit chapitre, hein? Non, je t'ai dit prologue. Ah bon? À peu près comme un prologue. C'est pas marqué prologue? Non. Je veux bien la deuxième phrase, s'il te plaît. Pourquoi cette rumeur et ce tumulte dans les longues rues? C'est la tête de chapitre? Si je trouve pas, tu liras. Est-ce qu'il n'y a pas de nom de personnage et de ville? Normalement. Si, la suivante, elle a un nom. Ah. Bah, lis la troisième sans le nom pour l'instant. Blabla est-il en proie aux flammes dévorantes? Attends. Est-il en proie aux flammes? Ah! C'est un lumen? Ou pas? C'est quoi un lumen? C'est la maison d'édition. Est-ce que tout en bas de la page, c'est. Oui! C'est un livre que tu voulais lire pendant un temps? Oui, puis j'ai toujours le. J'ai toujours envie de le lire. Vas-y, Fidget. Oui! T'en as qu'un? Ouais, j'ai pas encore le 2. Prologue. Blabla se leva la petite fiole verte d'une main tremblante. Regarde, c'était perdu 2. Oui, et c'était quoi Sophie. Oui. Voilà, alors là, tu vois, tu peux pas dire que je suis pas fan parce que je les connais. Normalement, ça tu devrais y arriver, mais si tu te crois, ça fait un moment que tu l'as pas vu celui-là. Voilà. Chapitre. Ok. Sa nouvelle vie commença dans le noir complet.
le labyrinthe 1. Oui. Il y en a, tu peux pas me tester. Hein. Regardez, il y a des petits bonhommes là. Sur la couverture. Oui. Ah oui. La Mino et Thomas. J'ai cru que tu parlais dans mon livre. C'est bien Mino et Thomas, ben. Ok, bon. Ouh. Oh là là, alors ce challenge. Du coup, j'étais la Mino. Parce que j'avais rien à gagner alors. Tout à fait, voilà, à part le droit de dire que t'avais gagné. Par contre, je vois tous les livres que j'ai arrangés. Je vois ma bibliothèque qui est bien vide. Mais en plus, ça va, j'ai pas pris que dans la même rangée, alors ouais, c'est compliqué. Ça l'a pris partout. Heureusement, je sais comment ils étaient rangés. Mais du coup, voilà, écoutez, moi je suis très heureuse d'avoir filmé cette vidéo avec Elodie. Et j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si jamais vous avez des conseils, des avis, des recommandations, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, l'espace est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.